Bienvenue à tout le monde. Bonjour, je suis content de voir une salle aussi remplie. C'est largement au-dessus de toutes mes espérances. Donc je vais quand même bien vérifier. Il y a eu un changement dans les agendas. Ceci est la présentation sur la programmation concurrente en Java. Vous êtes bien là pour ça, là ? Magnifique, magnifique. Qui pouvait croire qu'un sujet aussi peu intéressant intéressait autant de gens ? Donc, ce que j'espère vous donner comme, merci Julien, leçon à tirer de cette présentation, c'est j'espère vous donner un aperçu et vous permettre de mieux comprendre du code concurrent. De faire plus avec les magnifiques classes que nous avons dans le JDK depuis 1.5. Je ne couvrirai rien qui parle de ce qui est à venir dans le futur, fork join, tout ce qui est paralysation. On parle bien d'un talk de concurrence, pas de paralysation. Et en espérant que tout ça vous permette de d'utiliser le plus possible les processeurs que vous avez dans votre ordinateur, vos serveurs, et à vrai dire aujourd'hui même dans vos téléphones, des processeurs simple cœur, il n'y en a plus vraiment. Donc au sujet de moi-même, je suis Principal Software Engineer chez Terracotta. Donc qui connaît Terracotta ? Donc on fait des produits comme IHCache, Quartz, Terracotta Core et le Toolkit. Donc qui connaît IHCache ? Pas mal, Quartz. Et donc pour Terracotta, on a couvert. Le Toolkit de Terracotta, quelqu'un connaît à utiliser ? C'est moins connu. Nous, on l'utilise tous les jours. Et je contribue à différents autres projets open source qui ne sont pas dans le cadre de Terracotta. Hibernate, plus récemment Hibernate OGM, j'ai contribué à d'autres projets comme Unity's DB Maintain, et alors d'autres projets longtemps oubliés, genre un désassembleur pour Nintendo 64. Ok, ça c'est fait. Et alors je parle à des jogs, des conférences, et des choses comme ça, la preuve. Donc l'agenda, je vais vite faire une intro à ce qu'est la concurrence, pour qu'on se mette juste bien d'accord sur les termes. Ensuite, je vais couvrir des cas de code existants. Donc ça sera beaucoup de code d'Hibernate. Il y a du code de IHCache, il y a d'autres codes que, enfin, pour réussir à faire que ça soit compréhensible en 10 minutes, qui paraissent un peu bizarres, mais qui sont extraits de cas concrets. Je vais parler beaucoup de casing, donc essayer de faire des algorithmes non bloquants. Donc ce que ça veut dire le casing au niveau du CPU, comment ça compare à d'autres structures et comment c'est utilisé. Enfin, c'est utilisable via d'autres structures. Je vais parler d'un sequence generator, donc quelque chose qui génère une séquence. Et puis j'espère qu'on aura du temps pour les Q&A. Donc on regardera beaucoup de code. Les slides sont en anglais, j'ai longtemps hésité s'il fallait les traduire. Alors j'ai essayé, et quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit, vaut mieux pas. Donc elles sont restées en anglais. Mais j'espère qu'on va regarder à plus de code que de slides. Donc qu'est-ce que c'est que la concurrence ? Et qu'est-ce que c'est surtout que la programmation concurrente ? Est-ce qu'on parle de thread quand on parle de programmation concurrente ? Est-ce qu'on parle de lock ? D'acteurs, que ce soit Brad Pitt ou qui que ce soit, je ne pouvais pas ne pas faire la blague. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, ça peut avoir avec tout ça, mais il y a un concept beaucoup plus fondamental. Je pense que la programmation concurrente, ça a à voir avec l'état et surtout comment le partager. Quand on parle de programmation concurrente, un sujet récurrent, c'est la threat safety, qui est par exemple un des fameux mots que j'étais, enfin, titre que j'étais incapable de traduire. Donc qu'est-ce qu'on entend par Threat Safety ? Qu'est-ce qu'on entend par une classe qui est Threat Safe ? C'est une classe qui obéit à son contrat. Et qui obéit à son contrat pas seulement dans un environnement single threaded, mais aussi s'il est accédé donc, par plusieurs threads. Quel que soit le scheduling, et sans nécessiter aucune synchronisation externe. Donc, c'est-à-dire, je peux appeler une méthode dans cette classe et je suis sûr que tout se passera bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par se passer bien ? Généralement, on s'imagine qu'une méthode, quand on l'appelle, elle doit être à peu près atomique. Ce qui veut dire qu'aucune thread qui rentre dans ce bloc de code derrière cette méthode
doit exposer un état intermédiaire à quelque moment que ce soit à l'extérieur. Tout état transient, ce que je veux dire par transient, intermédiaire, qui viole les postconditions de la classe, tout ça ne peut jamais être exposé à l'extérieur. Et ce qu'on veut surtout éviter, c'est ce qu'on appelle les race conditions, qui introduisent des mauvais calculs. Donc les race conditions sont souvent liées soit à plusieurs threads qui arrivent en même temps, l'interleaving de threads, le scheduling de threads. D'ailleurs, enfin, même sur un simple cœur, quand une thread est context switchée pour une autre, et c'est une autre thread qui passe dans le cœur, on ne veut jamais que tout ça interagisse ensemble. Il y a aussi une notion de visibilité. Donc dans un environnement signal tradé, j'écris une valeur dans une variable, et puis je la lis, et bien je m'attends à obtenir exactement la même valeur. A priori, on est tous d'accord ? Oui ? Juste pour être sûr. Dans un environnement multithreadé, où plusieurs threads arrivent, sans aucune synchronisation quelconque, il n'y a aucune garantie. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Il y a plein de raisons pour ça. Que ce soit le compilateur, le processeur, la VM, tous ces gens ont le droit de réarranger le code comme bon leur semble, sans synchronisation. Et alors, il y a un point très important dans tout ça, c'est Phil Carlton qui a dit cette phrase, qu'il y a donc deux choses qui sont compliquées dans notre industrie, c'est l'invalidation de cache et nommer les choses. Donc nommer les choses, c'est en effet pas facile, mais le truc qui nous intéresse ici, c'est l'invalidation de cache. Donc le processeur dans ce MacBook Pro ici tourne trois niveaux de cache différents. Si je lis une valeur qui n'est plus à jour d'un des caches parce qu'elle n'a pas été invalidée, et bien je lis la mauvaise valeur. Et donc il faut invalider au bon moment. Alors prenons des exemples un peu concrets. Qui connaît Hibernate et qui utilise Hibernate? Beaucoup de gens. Donc tout le code que je vais vous montrer est du code qui tourne actuellement dans vos apps, dans cet exemple. Donc, c'est les statistiques d'Hibernate. Le contrat de statistiques, ici, va être simplifié. Il y a plus de valeurs qui sont maintenues à jour, mais il y en a quelques-unes ici en particulier qui vont nous intéresser. En l'occurrence, deux. C'est-à-dire qu'on a des compteurs pour les entités et pour toutes les requêtes que l'on va faire. Ainsi que pour les requêtes, on va se souvenir de la requête qui a duré le plus longtemps. D'accord ? On le fait à deux niveaux. On le fait de façon empirique et alors on le fait par requête. Donc le temps, on a même la moyenne du temps que la requête a prise. Donc le temps moyen que la requête a prise pour être exécutée, le temps maximum, le temps minimum, etc. Donc, le contrat dans une forme plus lisible que des mots, du code. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir comme info des statistiques d'Hibernate. Enfin, donc, nouveau, je dis une partie, c'est pas le code complet. Donc, la première méthode sur la ligne 44, c'est getQueryStatistics, donc je passe une query et sur base de ça, il me retourne un objet qui représente toutes mes statistiques. J'ai un compteur pour savoir combien d'entités, donc si j'ai mon entité customer, combien de fois elle a été effacée, combien ont été créées. Ici, c'est un agrégat, donc c'est pour toutes les entités que Hibernate manage. Hein, donc si j'en ai plus, c'est la somme de tout. Combien ont été lus de la base de données. Ensuite, il y a trois méthodes ici qui sont un peu plus intéressantes. Donc, il y a le getQueryExecutionCount qui dit combien de queries on a exécutées. J'ai getQueryExecutionMaxTime qui me dit le temps maximum que la requête qui a duré le plus longtemps a duré. Et alors, en dernier, je peux obtenir le string. Donc la représentation textuelle de la query qui a duré le plus longtemps. En fait, il y a, par rapport à ce que je viens de couvrir, par rapport à ce qu'on appelle être thread safe et respecter son contrat, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire l'attention de quelqu'un dans cette interface? Est-ce qu'on peut dire que cette interface est thread safe?
C'est une interface, il n'y a pas d'implémentation. Oui. Voilà. Donc les deux méthodes ici, sur la ligne 84 et 88, me donnent le temps maximum. Donc j'ai une query qui a duré 2 secondes. Et la query qui a duré 2 secondes, c'est sélectionne, je ne sais pas moi, tous les utilisateurs dans l'ADB. Non, le problème qu'il y a avec cette méthode, c'est qu'elles sont intimement liées, mais ça viole un principe de la thread safety, c'est-à-dire que ces deux méthodes ne sont pas synchronisables. Il n'y a pas moyen de dire je veux appeler ces deux méthodes sans que potentiellement le résultat soit mis à jour. Donc c'est-à-dire si j'obtiens ici 200 millisecondes et puis je lis cette valeur ici, il n'y a aucune garantie que les deux résultats en fait sont cohérents. Donc soit je dois introduire de la synchronisation externe, et comme on va voir en 5 minutes, c'est une option. Il y a une autre option qui existe quand même pour avoir un résultat cohérent, c'est d'utiliser le getQueryExecutionMaxTimeQueryString et le passer à getQueryStatistics. Donc au moment où j'appelle la méthode, il va me retourner la query qui a duré le plus longtemps, et puis en utilisant la méthode du dessus, je peux être sûr de recevoir le temps le plus long pour cette query-là, parce qu'il ne sera peut-être de nouveau pas le même au moment où j'ai appelé ma query, mais au moins je suis sûr que les deux ont une relation ensemble. Et justement, parlant des query statistics, donc voilà leur méthode. Donc je peux avoir le nombre de fois que la méthode a été exécutée, le temps moyen d'exécution de cette méthode, le temps le plus long et le temps le plus court. Donc, il y a une troisième interface qui est SESTEximplementer, qui est ce qu'en fait Hibernate va appeler pour mettre à jour ses compteurs. Donc, les load entity, là j'ai laissé le entity name, ça va mettre à jour un compteur dans les statistiques même, et puisque vous avez vu pour les queries statistiques, il y a la même chose pour les entity statistics, mais j'ai enlevé le code. Et query executed, ça passe le string, le nombre de ligne à retourner et le temps qu'a mis la query pour être exécutée. Donc regardons un peu de code dans une IDE. Donc l'implémentation initiale de cette classe qui date après JDK 5, et celle-ci. C'est-à-dire que toutes les méthodes sont synchronisées. Et donc, comme ça, ce qui se passe, c'est qu'une seule thread à la fois peut rentrer dans ce code bloc et exécuter le code en question. Donc ici, ça s'occupe de mettre à jour les query statistics, de les créer si jamais ce n'était pas là, ceci étant une bête HMAP. Et voilà, donc y compris ces méthodes-ci, donc on est tous bien d'accord, ceci représente 3 opérations, lire la variable, l'incrémenter et la restocker. Donc très bien, j'ai une classe ThreadSafe. Elle devrait se comporter correctement. Il y a un détail qui est intéressant au sujet de cette méthode, en soulevant le point qu'on soulevait tout à l'heure, les deux méthodes que je ne peux pas appeler sans synchronisation externe. En fait, cette implémentation me donne au moins un point de synchronisation si jamais je voulais lire, utiliser les deux méthodes de max query time et d'obtenir le string. C'est-à-dire que je pourrais synchroniser à l'extérieur et dire je synchronise sur l'objet statistique. Donc ce qui va utiliser le même moniteur que le synchronize sur la méthode et obtenir un résultat cohérent. Maintenant, des avantages de cette approche, surtout depuis JDK 1.5, c'est qu'il n'y a qu'une thread à la fois qui peut rentrer pour peu importe quelle mise à jour. Et en fait, il s'avère qu'il y a plusieurs méthodes. Donc ici, j'ai le entity delete count et qui est mis à jour ailleurs, ici. Et le insert, nouveau, j'ai deux méthodes, mais c'est ces deux méthodes-là qu'on veut synchroniser. C'est-à-dire que le fait qu'on utilise un seul moniteur pour tout, c'est très bloquant. Donc si je fais tourner un test
de perf. Alors oui, première leçon à tirer de tout ce que vous allez voir maintenant, ne croyez jamais ce que vous dit un speaker, même si la salle est pleine, etc. Tout ce que je vais faire ici sont des micro-benchmarks. Je vais couvrir au fur et à mesure du talk certaines optimisations dans ces micro-benchmarks qui font qu'ils donnent des résultats plus ou moins corrects. Et vous allez voir que juste en faisant plusieurs runs avec la VM, je vais avoir des résultats différents. Alors, s'il y a une leçon à absolument tirer de ça, c'est que les micro-benchmarks, c'est pas bien. Et ce que vous voulez mesurer, c'est dans votre cas, quels sont les problèmes. Alors, toutes les optimisations que vous voyez ici sont le résultat, donc les optimisations que vous allez voir sont dans le code qu'on regarde pour le moment dans Hibernate, n'existe plus dans Hibernate 4. Donc, ce code a été remplacé, mais il n'a pas été remplacé parce que, ceux-là, en l'occurrence, c'est moi qui les ai écrits, mais je ne me suis pas dit, tiens, ce truc est lent, il y a moyen de faire mieux, etc. Tout ça vient de mesures qu'on a fait en testant Hibernate sous load extrême. Donc, comme on fait IH cache, on a un cache niveau 2 pour Hibernate. Donc, en fait, on passe jamais par l'ADB. On a tout en mémoire, tout devient excessivement rapide, et en fait, tous les points de contention qu'on a réglés sont des vrais points de contention. C'est pas, on s'est ennuyé, on s'est dit, ça devrait être un problème, on va les fixer. Donc, dans les tests que vous allez voir ici, c'est pas ce que je fais, mais c'est pas ces tests qu'on a utilisés pour mesurer, c'est juste pour illustrer le point. Donc, j'insiste bien sur ce point-là. Donc, ici, j'ai un bête test qui, en fait, utilise mes Synchronized Statistics, qui est donc la classe comparable à celle qui était dans Hibernate pré-3.4, je crois, et à partir de 3.4, si ma mémoire est bonne, si vous tourniez sur un JDK 5, ça utilisait une autre implémentation qu'on verra plus tard. Et à partir de 4.0, comme ils ne sont plus compatibles avec 1.4, ça n'utilise qu'une autre implémentation. Donc si je tourne ce test, hop, et ce que fait le test, c'est peut-être ça plus important d'abord. Donc en fait, ce que fait le test, c'est qu'il va démarrer dans ce cas dans 6 threads. Donc j'essaie de faire un load qui correspond à quelque chose de réaliste sur la machine sur laquelle ça tourne, donc cette machine à 8 cœurs. Chaque thread va faire un demi-million d'itérations. Et ce que fait chaque thread, c'est qu'elle va au hasard. Disons, dans 20% des cas, elle va dire qu'on insère une entité, dans 20% des cas, elle va dire qu'on l'efface, et dans les 60% restants, elle va lire une entité. D'accord ? Ce qui est un très haut ratio d'écriture, mais potentiellement, pourquoi pas. Donc, comme je disais, si on veut pouvoir. Donc, ceci incrémente le compteur d'insertion, ceci celui de effacer une entité, et le dernier, celui quand on a le dé. Et en fait, comme ces trois compteurs sont indépendants, au lieu d'utiliser le lock intrinsèque de chaque objet, on peut remplacer ce lock par un lock spécialisé. Et comme ça, on augmente le nombre de threads qui, en parallèle, peuvent mettre à jour, tant qu'elles ne veulent pas mettre à jour le même compteur, elles peuvent acquérir le lock. Donc, pour ça, je crois que parallèle statistiques, j'espère que je n'ai pas de bêtises. Oui, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je crée trois locks différents. Et au lieu d'avoir la méthode synchronisée, je synchronise à chaque fois sur le lock en question. D'accord ? Donc ce qui permet de paralyser l'entrée. Alors il y a deux choses qui sont plus ou moins bonnes à ça ou pas. Et j'avoue que dans ce cadre-ci, j'aurais dû poser la question, si c'était réfléchi, utiliser le keyword synchronized, ça, sur une méthode, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage que ça a, c'est que, par exemple, ça permet à l'extérieur, de locker l'intérieur d'un objet. L'inconvénient que ça a, c'est que ça permet de locker à l'extérieur l'intérieur d'un objet. C'est-à-dire que cette fonctionnalité peut être abusée et peut permettre à votre application, en termes de bande passante, de réduire un truc pas croyable. Quoi. Surtout quand vous codez une API publique, donc comme c'est le cas ici, c'est avec son prix à payer. Donc si je tourne ceci, donc je vais peut-être faire plusieurs runs, et on va prendre le meilleur. Ouais, celui-là, on l'oublie complètement. Donc ça a l'air d'être dans les 120, 113 nanosecondes, 129. Voilà. Alors, si on retourne dans notre test et qu'on change pour notre autre implémentation.
on refait des tests. Alors c'est là maintenant, évidemment, qu'aujourd'hui, rien ne va marcher comme on voulait. Hein. Ah, si, ça marche comme on voulait. C'est quand même nettement plus rapide de tests. Ouais, ben, on est quand même à peu près 10 fois plus rapide. Juste en utilisant des locks à une granularité plus appropriée par rapport à ce qu'on essaie de locker. Oh, quel bel effet. Donc, ce qu'on vient de ceci, c'est qu'une façon d'atterrir la thread safety, en fait, c'est d'être sûr qu'une instance n'est accédée en interne que par une seule thread à la fois. Donc ça, c'était le premier cas de figure où tout était synchronisé. Il n'y a qu'une thread qui peut rentrer dans toutes les méthodes synchronisées. Alors, en utilisant un moniteur interne, ce qu'on appelle Java Monitor Pattern, c'est utiliser un lock privé, ce qui me permet de garantir d'être sûr que personne n'abuse mon lock à l'extérieur. Et ça me permet d'avoir un système plus fine-grained, donc plus... oui, c'est assez pathétique mon français, en fait, au final. Plus fin, d'une précision... on est plus précis dans ce qu'on veut locker, quoi. Et le fait d'empêcher le code d'être, enfin le lock principal de mon objet d'être utilisé à l'extérieur, c'est par exemple un truc standard pour essayer à faire des deadlocks. C'est donc tout ce qui est des liveliness issues. Donc une fois que le système tourne, et potentiellement ça devient même très dur de réussir à trouver ce qui se passe, hein, juste en lisant le code, ça peut devenir l'enfer. Heureusement, on peut faire des thread dump et chercher, mais pour ça il faut attendre que le problème se produise. Faut-il pouvoir le reproduire, etc. Donc essayons de faire tout ça encore un peu mieux. On va faire une statistique 2.0 et on va essayer d'enlever un maximum de locks. Donc repassons à un IDE. Et quand je dis un IDE, je veux dire un IDE. Hop. Ah, mon iPhone a disparu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, parallèle. Alors une option. En restant sur le sujet des locks, si je regarde ma classe ici, est-ce que quelqu'un voit à quoi ça pourrait ressembler? Donc par quoi j'aurais pu remplacer ce moniteur, l'utilisation de ce moniteur? Une des options, un lock plus intelligent, on va dire, un nouveau qui a une granularité différente, a été introduit dans JDK 5, qui sont les read-write locks, qui me permettent de dire je veux locker pour un write, donc ça veut dire que maintenant quand il attend que toutes les threads qui sont dans le code, disons, sortent du code bloc, acquièrent le lock et ça devient un lock exclusif. Il n'y a que moi qui peux rentrer, moi étant une thread, qui peut rentrer dans le code bloc, faire des changements, et puis je relâche le lock. Parce que ce que le lock donne aussi, c'est des read locks. Et les read locks, eux, par contre, sont concurrents, ce qui veut dire que plusieurs threads peuvent acquérir des read locks et lire la valeur. Malheureusement, dans ce cas bien précis ici, donc j'ai même pas pris la peine d'écrire le code. En fait, ça aurait pas beaucoup d'avantages parce que les statistiques, c'est quelque chose sur lequel on écrit beaucoup et en fait, c'est quelque chose qu'on lit très peu. D'ailleurs, dans le test que j'ai fait, le truc ne le lit jamais. Il fait que mettre à jour les stats. Donc en fait, je me retrouverais dans exactement le même cas de figure. Donc ça ne me permet pas de gagner grand-chose. Par contre, le JDK 1.5 est venu avec autre chose qui s'appelle les Atomic X. Donc dans ce cas-ci, ici c'est des langues, donc j'ai des Atomic Langues. Et les Atomic Langues me permettent de s'en loquer à l'extérieur, donc sont très safe de même et ont des méthodes utiles, genre getIncrement, ce qui va dire au compteur qu'il doit s'incrémenter et me retourner la valeur après incrémentation. Il y a l'inverse, c'est incrementing. Non, désolé, c'était l'inverse. Get and increment va retourner l'ancienne valeur et incrémenter le compteur, alors qu'increment and get va incrémenter la valeur et me retourner la nouvelle valeur. Et tout ça de façon très safe. Donc moi, j'ai plus de synchronisation à faire. Donc pour ça, normalement, je pense que... concurrent statistics. Donc si je viens ici, je regarde, voilà, donc j'ai fait le code ici, et ça me donne à peu près ça. Quand je veux, je vais prendre un compteur parce que c'est plus simple, on va couvrir plus de choses dans une minute.
Donc, il y a un delete, je ne dois rien faire, je fais juste un increment and get, rien de spécial ici. Si je retourne dans mon test, et que je change ça ici, voilà. Donc là, a priori, vu que je couvre ça en troisième, ça devrait aller beaucoup plus vite encore, alors qu'on est déjà pas mal vite, à vrai dire. Et donc, quand on tourne le test, eh ben, c'est pas ce qu'on voit. Quoique c'est close. Hein. On n'a vraiment pas de chance. Enfin, c'est généralement... C'est un bug dans l'IntelliJ, celle-là. Généralement parlant, c'est plus lent. Donc ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas bien. Quelqu'un voit pourquoi ça ne fonctionne pas déjà ? Moi non plus. Bon, fin de la présentation. Ok, ben, ça ne marche pas. Et en plus de ça, si je regarde à mes autres statistiques, qui sont mes query stats, et que je rentre dans une implémentation, je regarde ici, donc ça c'est les query stats, même chose, c'est... toutes les méthodes sont synchronisées. Maintenant, par contre, si on regarde, on voit que donc les query stats ont une méthode supplémentaire qui s'appelle getExecutionAverageTime. Donc, il va retourner le temps moyen d'exécution d'une query. Et pour calculer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on traque le temps total d'exécution de toutes les queries. On sait combien de fois elles ont été exécutées et on fait la division et ça nous donne une valeur. Donc, quand on exécute la méthode execute, on fait plusieurs choses. On regarde si le temps de l'exécution de cette méthode était inférieur au temps minimal qu'on avait pour le moment. Si c'était le cas, on met à jour la valeur. Même chose pour le max, enfin, l'inverse pour le max. J'incrémente mon temps total et j'incrémente mon compteur. D'accord ? Et en fait, ce genre de choses, alors de toute façon, pour le moment, l'implémentation est plus lente, marche moins bien avec des atomic long. Donc j'ai refait la même implémentation ici, où j'ai remplacé tous mes longs par des atomiques. Et le code est assez standard. Donc voilà. Mais si j'ai... Oui. Alors ça, j'hésitais... c'était utile à le montrer. Alors ici, IntelliJ se plaint parce qu'il me dit « Tiens, c'est bizarre, tu fais un for loop qui est vide. Ça paraît vraiment bizarre. Pourquoi fais-tu ça ?» Donc, on ne le voit pas, mais ce qui se passe, c'est que tout au bout, il y a un point-virgule, donc il n'y a pas de corps au truc. Donc, en fait, ce que fait cette boucle, c'est qu'elle boucle jusqu'au moment où elle arrive à mettre à jour la valeur. Je reviendrai en plus de détails sur ce qu'est le comparing set et ce genre de boucle, mais peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. En fait, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de générer un minimum de bytecode, rendre pour la VM après le plus simple possible, de créer le code le plus petit possible pour ce genre de boucle. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ça. Je ne veux pas montrer... quelqu'un veut voir le bytecode ? Ok, quelqu'un veut voir le bytecode. Une bonne excuse pour montrer du bytecode. Donc pour ceux qui ont vu l'excellente présentation de Julien Ponge et son collègue juste avant, très intéressant. Donc si on cherche ici, non, 46, donc voilà le bytecode. Je vois pas du tout bien où je suis. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà ligne 46. Donc c'est le label pour notre ligne. Pas beaucoup de place, hein. J'avais mal prévu ce truc de démo. Donc voilà le bytecode généré. J'arrive pas à tout à le faire passer sur une slide, enfin sur un écran. Et voilà, donc ça c'est pourquoi c'est drôle de boucle et etc. Et chaque dev a
Si vous regardez le code du JDK, il y a pas mal, enfin, et on va le voir un peu plus tard, il y a pas mal de books comme ça, et chacun agence un peu ses préférences sur comment essayer de les formater le mieux, selon ce qu'on a à faire. Ici, il est encore relativement simple. On va en voir des plus amusants plus tard. Donc si j'ai un autre test pour ceci, ok, une query. Pas au point là. Non, mais des mots. Voilà. Donc ici, j'ai la même chose. Je vais utiliser les statistiques. Je vais tourner mon test. Ok, donc ça, c'est avec les synchronized. La raison pour laquelle le CAS, juste avant, ne fonctionnait pas, c'est ce que je vous ai dit, il faut mesurer. Si vous voyez, ici, il y a un warning bizarre, genre, mais que fait-il ? En fait, il y a une méthode que je peux overrider dans ma classe utilitaire pour faire mes tests en parallèle qui s'appelle do something, c'est-à-dire faire quelque chose. Et en fait, le problème, c'est ce que je disais avec les micro-benchmarks, c'est que le test, juste avant, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il spawnait les threads et toutes les threads essaient de mettre à jour ce compteur. D'accord ? Ce compteur, dans ce cas-ci, c'est les statistiques. Les statistiques, par défaut, on essaie d'avoir des statistiques, pas pour le fait de dire à quelle vitesse je peux faire tourner une thread, j'essaie d'avoir des statistiques qui représentent quelque chose de vrai. Donc ici, ce que je fais, c'est avant, au moment où le test démarre, il démarre une instance de hashcache, et au hasard, sur base du truc, là, il va... Enfin, non, au hasard. Une fois sur trois, il va mettre un nouvel élément dans le cache, et deux fois sur trois, il va juste aller voir si un élément est dans le cache, ce sera à chaque fois des cache miss, etc. Tout se passe en mémoire, il n'y a rien qui est écrit sur le disque, etc. Mais les threads sont occupés à faire autre chose. C'est pour ça que je disais, vous devez toujours mesurer dans du code qui représente la vraie vie, parce que des micro-benchmarks, des tas de choses vont se passer au niveau de la VM, elle peut faire des tas d'optimisations pour rendre le code plus performant. Mais en fait, ce n'est pas ce code-là qui sera exécuté quand vous tournez votre système. En plus de ça, un CAS, comme on verra plus tard, il a plus de chances d'échouer. Parce que donc, c'est une approche différente. Donc ici, j'ai fait que la VM fait quelque chose. Et je vais, en plus de ça, donc on est 200, on va faire tourner deux fois, 19 minutes de left, bon, on est à 240. Donc ça se marche plutôt bien. Je vais faire les concurrent. Et on va retourner le test. Et on voit qu'on est maintenant vraiment plus rapide. Donc là, je fais semblant que je mesure des statistiques sur mon cache. C'est pas du tout le cas, mais on est nettement plus rapide. Toutefois, il y a un bug dans l'implémentation qui consiste que ici, je mets toutes les valeurs à jour, mais au moment où je lis ma valeur de average time, en fait, la valeur que je vais retourner sera une approximation. Parce que rien ne me dit, nouveau, que le total time divisé par le counter, ça va être des valeurs cohérentes. Alors, on peut commencer à se disputer, est-ce que c'est grave sur une moyenne, une fois que les valeurs seront assez grandes, ça n'aura plus aucune espèce d'importance. Mais ce que je vais illustrer là, c'est que c'est un des cas de figure où on peut utiliser un lock à l'envers. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mes read-write lock, je peux acquérir le lock read quand je fais mes writes. D'accord ? Mes writes sont très safe, les opérations se font atomiques, donc il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Et je vais acquérir le write lock quand je fais une moyenne. Parce que, à nouveau, les lectures, en fait, sont super rares quand je vais vraiment aller demander, tiens, c'est quoi le temps d'exécution moyen de mes QA. Si je rajoute ce bloc, mon code va être un peu plus lent, mais par contre, il va être vraiment correct. Donc, avec des locks plus fins, on peut réussir à avoir gagner en performance, parce qu'on peut exclure de façon nouveau plus fine qui on veut exclure. Mais il y a de la contention qui reste, les gens vont se battre pour des locks, et surtout les read-write locks ont ce problème qu'ils peuvent avoir des starvation issues. Ce qui veut dire, selon JDK que vous allez tourner, il se peut très bien que des reads ont du mal à passer, et quand j'ai du mal, vraiment pendant très longtemps avant qu'ils finissent par passer, ou des writes. Maintenant, le moins on lock, a priori, le mieux ça va. Nouveau, tant qu'on teste pour du vrai. Alors, il y a une autre façon encore de résoudre le problème qu'on a vu juste avant.
c'est... Et la façon sans aucun lock est la suivante. Concurrent state query statistics. En fait, j'ai une classe état qui va s'occuper de sauvegarder le temps, enfin les deux valeurs qui m'intéressent, donc le temps total et le nombre d'exécutions. Et donc, quand je mets à jour, en fait, j'utilise ce qu'on appelle une atomic reference et je fais juste un compare and set sur la valeur à laquelle je m'attends de trouver et je mets la nouvelle. Ici, j'ai une méthode event. Ce que fait la méthode event, c'est qu'elle me crée un nouvel objet state immuable qui va retourner, enfin qui va incrémenter le compteur et additionner le temps. Alors, en le faisant comme ça, on gagne encore plus de vitesse, mais on crée plus de garbage. Donc, de nouveau, mesurez, voyez ce qui marche le mieux pour votre cas, et surtout, testez du code réaliste. Ne faites pas n'importe quoi. Je vais parler un peu de casing et ce que ça permet. Donc, avec des locks, on a des locks pour lesquels les threads se battent. Il y a de l'overhead quand la lock est bloquée, etc. Et c'est un accès exclusif. Volatile, donc tout le monde voit le keyword volatile. OK, donc qui me garantit en termes de visibilité, etc., que je vois la valeur mise à jour. C'est pas mal non plus, ça me permet pas mal de choses. Mais par contre, c'est pas terrible pour pouvoir faire des opérations atomiques, genre marquer mon lang volatile et puis faire L++, ça marcherait pas très bien. Alors, il y a une approche plus optimiste qui est le casing, et qui c'est basé sur le fait de voir quand il y a des collisions. Donc, l'idée, c'est je lis, je modifie et j'écris au niveau du CPU, d'accord? Donc c'est compare and swap sur les architectures Intel. Sur les architectures Intel, le PowerPC a autre chose, c'est le load linked store conditional. Ce sont d'autres méthodes au niveau du CPU. Alors si on regarde le increment and get d'un atomic integer, en fait ce qu'il fait, c'est un for loop comme ça, il lit la valeur, il incrémente à un x, et puis il dit moi je m'attends que la valeur Qrn, ça soit celle-là. Si c'est celle-là, tu m'écris la nouvelle valeur, next. Et si ça a marché, la méthode retourne true, donc je retourne next. Si ça a raté, ben, je relis la valeur et je recommence. Donc tout ça est basé très fort sur le compare and set, la méthode qu'on a utilisée juste avant. Et compare and set fait ceci. Elle appelle unsafe, compare and swap int, passe la référence à l'objet, le value of set, donc je vais revenir en deux secondes, et les deux int. D'accord. Donc, ce que c'est le value of set, c'est en utilisant donc unsafe, c'est une classe spécifique à Sun. Elle est toujours dans ce package-là, en tout cas. Elle va voir l'offset en mémoire du field qu'on veut mettre à jour, et tout ça va être après géré par la VM. Donc, la VM, au moment où je dis montre-moi un peu ce qui se passe en interne. Elle me dit que le compare and swap int, c'est un intrinsic. Donc ça, c'est l'output des compilations. Intrinsic, qui voit ce que veut dire intrinsic? Okay, donc ce que ça veut dire, c'est que la VM sait exactement qu'il faut remplacer ce code par un bout d'autre chose. Le bout d'autre chose, dans ce cas-ci, là, c'est le code tel que pris dans... je crois que c'est JDK 7. Pour faire un... compare exchange, donc ça va remplacer directement par l'assembleur. D'accord? Le lock, ça va préfixer le compare exchange qu'on voit ici. Donc ça, c'est le DOM de l'assembleur que tout ça produit. Le lock ne va exister que si c'est une architecture multiprocesseur. S'il n'y a pas de multiprocesseur, il ne va même pas le mettre parce que genre, ça n'a aucun avantage. Et donc, ça va faire le compare and set de façon atomique. Donc, avec compare et la valeur en mémoire, si c'est bien celle à laquelle on s'attend, ça la remplace par l'update, etc., de façon atomique. C'est une méthode, si je ne dis pas de bêtises, existe depuis le X486, avec ce nom DX, peut-être seulement. Et en fait, le CAS, c'est quelque chose de très puissant sur lequel on peut builder pas mal de choses. Donc en fait, si je prends le concurrent map, elle a put if absent et replace, et en fait, avec ces deux méthodes, je peux faire du CAS d'autres choses. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire quelque chose qui... Donc ne le faites pas, c'est une idée complètement débile, mais ça illustre le point. C'est qu'on va créer un atomic integer avec
HashMap. Alors, comment est-ce que j'ai appelé cette classe? Genre quelque chose comme stupid. Voilà. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un stupid atomic integer. J'ai quelques méthodes, increment and get, compare and swap, tout ça pour être réfactoré, pour être plus propre, mais c'est le but est d'illustrer un construct bien particulier. En fait, j'ai une map qui a une concurrence de 1, donc il n'y a qu'un segment, et enfin, je fais tout au minimum vu que je vais mettre qu'une seule valeur. Et donc, en fait, la partie intéressante, c'est celle-ci. Je vais lire la valeur. Si la valeur est nulle, donc cette valeur n'existe pas encore dans la map, je vais dire que la valeur est 0. Ce que je fais, c'est que je fais un putIfAbsent. Donc putIfAbsent va placer l'objet 0 en mémoire à la clé marker, qui est un bête objet. Si jamais, entre-temps, quelqu'un d'autre, une autre thread a mis cet élément en place, il me retourne la previous valeur, donc la valeur précédente. Si jamais c'est différent de nul, ben je dis que la nouvelle valeur, ben c'est celle-là. Et puis, sinon, je garde previous value. Oui, donc si elle est nulle, ben je garde ma valeur à moi qui est 0. Et puis ici, j'ai fait un compare and swap. Ce que fait le compare and swap, c'est le replace. Et donc, tant que j'arrive pas à faire le replace, eh ben, je continue à boucler. Donc voilà, j'ai un test qui prouve que ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment très intéressant à voir. Et de nouveau, je vous dis, ne le faites pas, mais c'est pour illustrer. Et en fait, avec ça, on peut faire un peu plus. Si j'ai parlé de two-way mapping, donc je vais faire de la compression. Ça, c'est un exemple inventé, mais qui vient d'un vrai exemple. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux mapper des users vers des ints, et des ints de retour vers le login du user. C'est, imaginons, j'envoie de façon asynchrone un message qui concerne le user blabla, c'est computé sur le serveur, au moment où il me le renvoie, eh ben, il me redonne le même int, du coup je sais à quel user appartient le payload qui arrive. Comme j'envoie tout ça par le réseau, du coup j'envoie qu'un seul int, un seul entier, plutôt que d'envoyer beaucoup plus. Donc j'ai ces deux méthodes-là. Et dans mon mapper, ce que j'ai, c'est que j'ai deux maps. Maintenant, évidemment, ces deux maps ne peuvent jamais être out of sync. Voilà, donc c'est un exemple un peu qui n'a pas de sens, vraiment dans la pratique, mais au moins il est suffisamment petit pour rentrer sur une slide. Enfin, sur une slide. User, non, pas user map test. Voilà. Mes deux maps. Et en fait, quand il me demande get mapping for user, il va aller voir si on l'a déjà écrit. Si on l'a déjà écrit, eh ben, il retourne la valeur. On connaît déjà quel int c'est. Si on ne l'a pas encore écrit, je vais chercher la prochaine représentation libre. Je reviendrai à cette méthode dans une seconde. Je fais un putIfAbsent sur le readlookup. Si jamais la méthode existe, si jamais, enfin, ça n'existe pas encore, ça veut dire super, personne n'a pu écrire la valeur, je la place dans mon readlookup aussi après, vu que c'est la première qu'on consulte. Et je retourne la valeur, tout va bien. Si jamais pas, ça veut dire qu'en fait quelqu'un a réussi à s'installer son mapping avant moi, une autre thread. Je l'enlève du read et je release la représentation. On sait tout de suite pourquoi j'ai fait ça. Et puis je retourne la valeur que quelqu'un d'autre avait déjà appliquée. Le système est limité en termes d'utilisateurs. En fait, ce que j'ai fait, le acquire next wrap, par défaut, il va incrémenter un compteur. Mais pour éviter de perdre des chiffres, d'accord, si jamais ça rate, disons la représentation 2, quelqu'un d'autre avait déjà installé pour le user lambda, et bien, en fait, je vais recycler mes anciennes valeurs. Donc ici, j'ai une recycle queue. Donc si jamais, c'est pour ça que je release. Et donc en fait, je mets ça dans la queue, qui est une concurrent link queue, donc nouveau qui est une queue très safe, et je peux recycler mes valeurs. Et comme ça, je peux utiliser tous mes 32 bits. Alors, quelle est cette idée bizarre? Surtout, ce que je veux illustrer avec ça, c'est que le CAS, c'est surtout, plutôt que de vouloir avoir un monde où on est sûr que je vais faire une opération et qu'elle va réussir, c'est de se dire que c'est tout à fait possible qu'elle échoue et que c'est pas grave. Je dois juste comprendre comment elle va échouer, qu'est-ce qui peut se passer mal et rectifier. Toutes les méthodes que je change à ces moments-là ne sont toujours que sur le stack. Jamais je ne les fais sortir ailleurs. Et si jamais, donc là, par exemple, j'avais le reuse, enfin le recycle de mes valeurs, c'est parce que je change un état au niveau de la classe. Et disons que j'ai pas envie de perdre mes valeurs. Maintenant, si vous cherchez à d'autres exemples, il y a moyen de dealer comme ça avec
avec l'état transitif et être sûr qu'il ne soit jamais exposé à l'extérieur de la classe. Donc voilà, ce qui est important, c'est de ne pas casser les postconditions, être sûr que l'état transient, donc l'état temporaire, soit lié au stack, qui est encore moins que la thread, ou alors lié à la thread. Et surtout, après, je deal avec les problèmes qui arrivent. C'est incroyable comme le temps passe. Je vais parler vite du sequence generator. Toujours pour les gens qui utilisent Hibernate, c'est quelque chose utilisé en permanence. C'est le timestamper, c'est quelque chose qui s'occupe de marquer de façon, contiguë et unique chaque session créée. Donc c'est basé sur une seule VM, mais c'est quand même basé sur le temps, ce qui permet d'avoir certaines garanties quand le cache, par exemple, est clusteré et qu'on accède à Hibernate et à l'ADB par extension par plusieurs VM. Et on essaie de ne pas avoir de duplicate. Alors, à la base, comment ça a été implémenté? Moi, je trouvais l'idée vraiment pas mal. Donc, current time release me retourne un long, ce qui veut dire 64 bits, mais ça, c'était il y a une semaine, j'aurais dû mettre à jour le slide. C'est seulement ça, en termes de bits. Soit 41 sur les 64 disponibles. Et avant qu'on shift d'un, il y a beaucoup de temps qui va s'écouler. Donc, on peut shifter tout ça, déplacer tous ces bits sur la gauche, et je récupère tout cet emplacement sur la droite pour pouvoir utiliser un autre compteur. Donc ça me donne la précision à la milliseconde. Ce qui veut dire ici, maintenant, je peux faire plus d'un million de valeurs à la milliseconde. Donc, mon timestamper peut retourner plusieurs valeurs. Donc ça, c'était l'implémentation initiale, nouveau synchronisé, sur base de vrais tests. Ceci s'est avéré être un vrai bottleneck. Donc bêtement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le current time milli, il vérifie que c'est pas plus neuf que la dernière valeur qu'il a vue la dernière fois. Si c'est le cas, il remet le compteur à zéro. Si c'est pas le cas, tant que le compteur est inférieur à ce que serait une milliseconde, donc c'est le short qu'on shift là au-dessus, sur 20, ça marche pas, je crois. Ça devrait être un int. Parce que par défaut, ça ne shift que de 12. Je l'ai fait plus grand, parce que plus grand, c'est mieux, non? Et puis, on additionne les deux valeurs. D'accord? Et on retourne. Mais c'est synchronisé, ce qui est de nouveau excessivement bloquant. Donc, j'ai changé l'implémentation par quelque chose qui n'est pas bloquant. C'est nouveau une boucle. Une des choses aussi à remarquer, c'est que quand on est tout au bout, donc si jamais on est arrivé au bout si je chiffre de 20, de 1 million et des de possibilités, il va retourner un doublon. Ici, ce que fait cette implémentation-ci, c'est que elle va prendre dans un while true, elle va s'occuper de prendre exactement la même chose en fait. Et puis le for loop ici, il va essayer d'incrémenter value là-dessus, qui représente vraiment notre séquence, jusqu'au moment où il y arrive, en faisant un case et il retourne la valeur. D'accord. Alors, hop. Ouf, je crois que je vais passer le test parce qu'il me reste 3 minutes. Mais enfin, ça est je crois, 15 fois plus rapide. Si jamais quelqu'un a réussi à voir quelque chose qui l'inquiète dans cette classe, qui me pose la question après, ou il peut venir me voir après. Il y a autre chose que je veux vite soulever dans les tests que je comptais vous montrer ici, c'est que les tests de perf que vous avez vu tourner là ne mesurent qu'à partir de la 10 millième itération, même, à vrai dire, plus. Tous les tests que vous avez tournés tournent sur la hotspot server. Quelqu'un voit pourquoi 10 000 optimisations? Voilà, donc il faut en fait que la VM ait le temps de compiler tout ça, sinon on mesure du temps, combien de temps il faut pour interpréter du code, et ça n'a aucune valeur une fois que vous passez votre truc en prod. Donc il fait ça, je pourrais vous montrer l'output du JIT, etc. Mais c'est ça le but, donc faites attention à ça quand vous mesurez ce genre de choses. En tout cas, j'espère qu'avec tout ça, vous trouvez qu'écrire du code concurrent, c'est marrant, ou en tout cas pas si sorcier que ça. Je pense que les exemples qui étaient là, j'espère, étaient plus ou moins clairs. Qu'il faut bien considérer la concurrence tout de suite quand on design même une API, en fait. Donc, comme on a vu tout au début. Et sauf si vous savez vraiment pourquoi des locks vont performer mieux, donc mesurez-le. Essayez de réfléchir un peu out of the box, comme on est en anglais. Donc, et essayez de trouver des algos qui sont non bloquants. Il y a de fortes chances que cela vous fait gagner pas mal en performance.
Donc voilà pour ce qui est du casing. Si quelqu'un a des questions, tout le code que vous avez vu, vous trouverez des liens. J'ai mis Terracotta, mais ou alors sur hibernate.org. Tout ce code est en open source, en fait, est là. Et je vous invite à le lire, à trouver des bugs, à les filer et à m'envoyer des patchs. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre dans la minute qui me reste. Une question. Tout était tellement clair que... En fait, tout ce que j'ai dit était super évident et vous le saviez déjà. Donc, c'était clair. Eh bien, OK. Ben, merci d'être venu. Et à mon DevOps.